Euh, comme chaque vendredi matin, à travers le monde, avec vous, Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour Patrick. Rédacteur en chef à conflit. Alors, c'était l'un des pays les plus stables d'Afrique, le Sénégal. Mais en annonçant le report des élections présidentielles, bah, le pays entre dans une crise politique majeure qui pourrait conduire, disent certains, peut-être jusqu'à son effondrement. Oui, c'était le pays modèle en Afrique de l'Ouest. Oui. Aucun coup d'État depuis l'indépendance, aucune prise de pouvoir par les militaires, des élections qui avaient lieu régulièrement de manière constitutionnelle. Mais depuis plusieurs mois, on sentait bien que la situation avait, euh, avait un peu pourri autour du président Macky Sall. Il y avait de nombreux troubles, notamment à l'égard de l'opposition. Et puis, ce coup de tonnerre les élections présidentielles qui devaient se tenir le 25 février ont été reportées, et on a appris hier qu'elles auraient lieu le 15 décembre, ce qui complique évidemment la tâche de l'actuel président. Vous avez bien entendu, c'était normalement prévu en février, sera lié au mois de décembre. Voilà, quasiment encore. un an de retard. Pour, ah, non, non. Si elles ont lieu. Alors pourquoi ces élections sont reportées Alors c'est assez complexe. On est là dans la, la vie politique sénégalaise. L'actuel président Macky Sall ne peut pas se représenter. Il, là, il ne peut pas faire trois mandats d'affilée. Il voulait donc que son premier ministre lui succède, mais ils se sont rendu compte dans le plan présidentiel que celui-ci n'est pas populaire, il manque de charisme et qu'il serait battu. Les principaux opposants de Macky Sall sont en prison. Ils ont été arrêtés pour des motifs parfois assez futiles. Alors, ils ont été emprisonnés. Certains ont été condamnés à des peines d'inéligibilité. Mais euh, le principal opposant, qui est du principal parti d'opposition, lui est en prison, mais peut se présenter. Simplement faire une campagne présidentielle depuis une cellule de prison, ce n'est pas vraiment évident. Et le camp présidentiel se donne un petit peu de deux temps pour trouver un candidat qui pourrait remporter les élections. Alors quelles peuvent être les conséquences pour le pays Alors Alors elles sont grandes parce que le Sénégal, il faut voir sa, sa situation géographique. Au nord, il y a le Mali et le, le Sahel, mmh. une zone assez compliquée en Afrique. Au sud, on a le golfe de Guinée par où entrent notamment tous les trafics mafieux et trafics de drogue qui après déferlent vers l'Europe. Et puis, la France, a, il y a également des intérêts. La communauté française au Sénégal est assez importante. Il y a une base militaire avec 300 soldats qui sont présents. Des liens économiques aussi. Donc, si le Sénégal venait à tomber, ce serait dommageable pour le pays, évidemment, pour la France et aussi pour les Européens. Ouais, pourquoi tomber euh, Quand vous dites tomber, parce que alors ce que l'on peut craindre, ce sont des manifestations violentes, éventuellement des émeutes. Et puis, on voit également que c'est une opposition politique, mais aussi une opposition entre le Nord et le Sud, des populations ouais. différentes, notamment entre la Casamance et le Nord du Sénégal, qui est plus proche des zones du, du Mali. Ce n'est pas impossible que l'on ait peut-être un coup d'État militaire, peut-être un, un effondrement politique. Alors, on verra. Hein, le pire ouais. n'est jamais sûr, mais en tout cas, c'est un risque. Oui, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Hein. Exactement, euh, ouais, avec ouais, une guerre ça. civile entre ouais. le nord et le sud. Mais qui s'est restabilisé le pays euh, aujourd'hui quand La même. La Côte d'Ivoire va un petit peu mieux. Oui. Ouais, oui, ça va un petit peu mieux. Ça passe par par des crises. Bon, en tout cas, il n'y a pas de remise en cause pour l'instant. Par exemple, des vacances, parce qu'il y a énormément de, de Français qui vont en vacances là-bas. Et oui, oui, le, le tourisme fait partie de une oui. importante du Sénégal. Oui. Merci euh, Jean-Baptiste Noé pour ces explications, comme chaque vendredi toujours très très clair.